plusieurs internautes disent que Rosemille aurait sacrifié Alexandra il y a cela 2 ans passés pour le fait d'avoir accepté que son bijou soit enterré avec sa meilleure amie. Bonsoir. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au cimetière, le jour de l'enterrement. En fait, on avait déjà fini la cérémonie. Bon, vu que c'était moi qui filmais, bon, c'était pas que moi qui filmais, mais les vidéos que vous avez vues sur TikTok, c'est moi qui les filmais. Alors, on devait partir. Le gars avait déjà, vous voyez ces gars-là qui ferment la tombe. Il avait déjà les triplex auxquels il ferme la tombe avec. Il était déjà même en train de fermer la tombe. Moi, j'étais tenue du côté gauche. J'étais penchée comme du côté gauche. La tombe était comme du côté droit. On n'a pas compris. J'ai pas compris. Si vous regardez sur la vidéo avant, j'ai une broche en argenté en forme de Chanel. Je mettrai la vidéo, vous allez voir. Vous allez bien voir dans la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. La broche a quitté du côté gauche où moi j'étais. Dans la tombe. À côté du cercueil. Le gars m'a demandé à l'instant, Madame, vous voulez que je demande quelqu'un de descendre pour reprendre votre bijou? Sans réfléchir, j'ai répondu tellement spontanément. J'ai dit, non, 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 laissez, 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 laissez. Tracy a voulu partir avec quelque chose de moi. Elle a voulu partir. J'ai paniqué. J'étais en panique. J'étais en panique. On nous avait même interdit de mettre les pieds partout dans d'autres tombes, mais j'étais en panique. Ses cousines et tout, ses soeurs, elles m'ont pris dans leurs bras. Rosemi, viens, c'est bon, elles m'ont calmée. Jusqu'à ce que nous sommes sortis du cimetière, j'étais toujours un peu agitée. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça s'est passé ainsi. Parce que vu la position où j'étais, la forme où j'étais, du côté où j'étais, ça ne pouvait pas quitter du côté gauche pour aller du côté droit où était la tombe. Je vous raconte cette histoire pourquoi. Non seulement pour comprendre, parce que je n'ai pas compris, mais ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Mais en 2015, on allait au sport, Tracy et moi. Elle avait une petite chaînette. Elle a enlevé la chaînette sur elle. Elle m'a dit, fais ça. Elle m'a fait porter sa chaînette. Elle m'a dit, je veux juste que tu l'aies. Il y a 7 ans aujourd'hui. Et malheureusement, on me l'a volée à Johannesburg il y a une année, cette chaînette. Je ne sais pas pourquoi. Mon amie me manque. Elle me manque. C'est surréaliste. Il réussit à s'en sortir à cette justice humaine, mais la justice du ciel va le rattraper. Tout ce que je te demande, va en paix, ma grande. Le Seigneur, ton sang pile vengeance comme le sang d'Abel a prié. Ah, je suis sûre qu'on va venger ta mort. Voilà. Va en prendre. Je sais que Papy Gomer est là, Saté est là, Maman Angèle, ton papa, il y a ton frère Manu qui est là. Va en prendre mon bébé. Voici la broche en question, en forme de chaînette dont elle a fait mention. La broche qui a été enterrée avec Tracy. Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari. Bosangana Boye Belegi, Trondi Marabino, Nkolo Borotika Kazi Akita Mata. Nkolo Borotika vit à son porteur, vit à Diabo. Si l'élo, Moutou Morona a coquillé 5 ans d'instabilité, 5 ans qu'il y a maintenant, ça va, mais Elon Musk,
30 ans de gloire, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à Kabar, à côté à Kaboite, Babwa Kaka Epete, Alinga Kapete, Amona Nakapete. L'homme invisible est l'homme marche. Mon thème est sombre à Kadali, maman de Nini. Mon condé à Bassi Nyoso et Johannesburg. Madame Jing et l'homme marche. Bah, image de la petite office. La bouteille, bureau et l'homme marche. Todo renouvelé Kingakati. Bakalate. Bon, mon place Elon Musk à la lata. L'aura c'est que Koti Blora Moto. Bon, je vois qui à long et à large. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. On t'a les à la terre. Savez-vous qu'en Belgique, les élections auront lieu ce dimanche 13 octobre 2024? Eh bien, voici pour vous, Andy Kissema, un compatriote congolais qui a postulé à la députation provinciale et au niveau du district Antwerpen pour le compte du parti politique Open VLD Stade Antwerpen. Pour la députation provinciale, il porte le numéro 40 et pour le district Antwerpen, il porte le numéro 19. Votons utile, consommant congolais. Tous derrière Andy Kissema. Envers, à vous, Toyoka Sango. Elle regrette elle-même le fait de ne pas suffisamment réfléchir. Elle a juste répondu, non, je pourrais être très sûre. Voulez partir avec quelque chose de moi. Laissez-la partir avec mon bijou. Et 2 ans après, c'est sa fille qui s'en va. C'est une réalité qu'on ne peut pas non plus négliger. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de rapport entre Tracy et Alexandra. Mais puisqu'il y a la personne qui les unissait, c'est Rosemine, qui est revenue sur la toile pour reparler de cette histoire, c'est comme si elle prouvait un mécontentement pour ne pas avoir suffisamment réfléchi avant de répondre ou de donner son accord. C'est ce qu'on appelle la subconscience. Faites toujours l'effort, fournissez, conjuguez l'effort pour que votre subconscient, les subconscients ou la subconscience ne soit pas faible. Parce que ça te fait faire des choses qui vont se concrétiser dans la vraie vie. Tu dis une chose sans réfléchir et quelque temps après tu vas avoir les retombées de ta réponse. Qu'on ne te fasse pas dire oui sans pour autant comprendre. Qu'on ne te fasse pas signer une lettre sans l'avoir lue au préalable. Que ne pose pas ta signature sur un document mal compris. Non. Parce que la subconscience, c'est la clé de tout. Et si tu te joues de ta subconscience, tu vas regretter amèrement parce que tu peux même donner cadeau à tous tes enfants, toute ta fortune. Il faut vraiment préserver sa subconscience ou son subconscient. C'est très capital. Et aujourd'hui, elle se culpabilisera encore et encore. Surtout que les internautes ont repris toutes les vidéos pour en faire un récit. Parce que d'après plusieurs internautes aussi, le départ de Madame Tracy et d'Alexandra sont similaires. Parce que personne n'a jamais compris comment est-ce que la mère amie de Rosemine s'est retrouvée morte dans sa chambre. Il n'y avait pas de clé dans la porte. Est-ce qu'une personne est rentrée
a fini avec elle et a mis ses deux téléphones sur mode avion. Toutefois, n'oubliez jamais l'histoire de Roblox. Vous en tirerez plusieurs leçons. Clone spécial à Blessing One, la fille à papa, veut dire mieux sur la papa yaye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Moine d'autrement du Porsche Cayenne, nouveau modèle, chanteur inconnument très blanc. Et l'idée, madame, de mon cœur, monta les queues à 21, mais Rose Bint, ma langue dans le compteur propre, monté ma Willy Timbalam. Abraham Toko, Yamado Toko, Nabela, na alors, Jean-Pierre qui décide de Panama, il y a maman Marie-Jeanne qui décide de à Paris, papa n'a clévette qui décide. Un jeune Vika, son compteur propre femme à la Bentley, sombre à casa du maman Denis. Monté Eric Jean Elon Musk, papa les millionnaires Snoop Dogg, Snoop Marmot, Claudine AC Milan à London, Blaisette Moubienne à Switzerland, la Dauphine 50, Mi Flore Fuma. Les garçons qui ont la maître à Salopard, papa n'est pas un ingénieur. Toute option bosse nous pour papa à Merlin, il y a Strémi Lukuna, Christelle Chalik Tatokolo et Alain Mondana Grenoble, Jordan Mambabeton, le père de sa femme. Ingénieur Stanley Outchoudi, c'est lui, moi, c'est appelé. Bijou la Congolaise à Eli Soussou. Na maï matali moi si pe mobile. Bo pikili ki boa bokundu bo nzoto boyo. Pe maï matali bo kati ya moi si. Atika. Joazé mi la lumba. Oza na ba kiste, ma mou yon ba fi bon ba trop bouché, ma kime kime ro zonga. Bilo na biso zan naturel, eko sunga yo oko joazé mi eko longo la nyonso oyo yo na katya ni mounezo zo an pecho joazé mi. Ba papa moussous ba na po mama bouta, ba main da ba mouze ya ko be, ba ma take koufa, bilo ko ba papa zale botisipo zé mi kota mba amoko. O eza pou na ba mama, o eza pou na ba papa. To sou ki pe wana te, to zala bilo ko ya bo pikile ki po na ba papa. Awe zo ratete. Ba mama bazo bota, ba règle zongi, ba papa ba telemi, ma boumisili. Nzoto boumwasi, e bongi. Mama bongi sa Jessica na liyo, okozonga moseka, oyezan zeta moseka. E kani Jessica komisongo ki toko ka, ucheza 100% naturel. Ba kisi ya kokoli sa simape, mama olingi simeko la, yaka. Olingi ba sima eya minene ba basse eya minene o eza ba sima to peso ou si positoire na ya komela na crème to zo te capé en gros olingi somba pour revendre yaka ba grossiste boya bongi salo poso zo longola ba tache ba bouton ba tampo lo poso beba ekobonga biloko na biso eza naturel ay documenté 100% naturel benga biso na plus 1 217 518 06 32. Peli Soussou na plus 243 844 099 215. Koutabiso na Instagram, toza na TikTok, toza Peli Soussou na Facebook. Na bijou la Congolaise, le beau kwanzam des eaux pounya pounya. Ezo pour na Théo, car le panier circule encore. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa po na parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te tolobi bien, y compris les documents. O pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, oza li na droit ya ba document administratif nyon sotou. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité de l'information de mention
voilà que le mention nous retient encore dans ces dossiers qui fait parler de lui, ces dossiers qui fait couler d'encre des salives. Le dossier, plutôt d'Alexandra Martine. Lumbaï Ndiengo, et qui, d'après plusieurs internautes, aurait été sacrifié par sa mère il y a 2 ans passés. Pour la petite histoire, en tout cas, parce que ici, je vais vous lancer toute la vidéo de Patience Vanon Goubergène, Tracy, l'amie des Rosemines. Elles étaient tellement proches que le 4, donc la nuit du 4 mars 2022 au 5 mars 2022, il s'est passé un incident dans lequel Tracy, de son vrai nom, Patience Van Goubergène, a été retrouvée morte mystérieusement dans sa chambre. Elle avait 2 téléphones. Déjà, elle était directrice, là où elle travaillait, elle gagnait énormément d'argent. Elle avait tout. Seulement que le médecin lui avait dit qu'elle n'aura jamais d'enfant dans sa vie. Et c'est une situation qui la rendait malheureuse. Et par miracle, en 2021, elle est tombée enceinte. Parce qu'elle est morte avec une grossesse de 6 mois. Elle est morte plutôt avec une grossesse de 6 mois. Donc, elle a conçu en 2021. Elle était, sa joie était énorme, c'était immense, elle était hyper contente. Elle était la maman, la femme la plus heureuse du monde. Pour le simple fait de concevoir. Et un jour, elle s'est rendue à l'hôpital pour des consultations prénatales. Là, je parle de Tracy, la mère amie de Rosemine, Rosemine qui est la maman d'Alexandra. Donc, elle s'est rendue à l'hôpital le 4 mars 2022. Alors que tout allait bien. Et puis, après l'hôpital, elle est rentrée chez elle. Chaque matin, il y avait un chauffeur qui allait la chercher afin de la conduire à son lieu de travail. Et quand le chauffeur arrive le 5 mars, très tôt le matin, comme d'habitude, il sonne. Oh. Silence radio. Qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur a tout de suite pensé à appeler la grande sœur de sa patronne, de Madame Tracy. Et quand elle est arrivée, à son tour, elle a toqué son succès. C'est ainsi qu'ils ont alerté les gens qui sont accourus et ont cassé la porte. Ce qui est bizarre, Tracy, connaissant son état, ne pouvait jamais refermer la porte sur elle. Parce qu'elle s'est endormie. Dans la porte, il n'y avait pas de clé. C'est ce qui semblait ou paraissait bizarre. Il n'y avait pas de clé. Et on a trouvé ces 2 téléphones à mode avion. Et puis, elle était déjà partie. S'agissait-il d'un crime ou d'une mort naturelle? Je ne sais pas. Et Tracy a été conduite à l'hôpital sur demande de la famille. Elle a été diagnostiquée. Ils ont procédé à l'autopsie et tout. Mais pour le résultat, en tout cas, tout le monde se tue d'après le vidéo de Madame Rosemine. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Elles étaient tellement proches que lors de son décès,
Rosemine était très affectée, très abattue parce qu'il s'agit de sa meilleure amie. Mais lors de son enterrement, Madame Tracy avait une broche en forme de Chanel. C'était en argent. Kaba broche ou bate kanabarou. Qui était attachée à sa veste. Je ne sais pas si c'était une veste ou un blouson en cuir, quelque chose comme ça. Je vais vous balancer toutes les vidéos. À la position où elle était, parce qu'elle elle était penchée du côté gauche, qu'on a déjà mis le cercueil dans la tombe, le fossoyeur voulait couler le béton. C'est alors que la broche de Madame Rosemine, la maman d'Alexandra, a quitté sa veste. Personne ne l'a attrapée. Cette broche s'est jetée dans la tombe. Pouf! Et le fossoyeur a posé la question à Rosemine. Veux-tu que j'envoie quelqu'un chercher ta broche? Sans réfléchir, elle dit non, 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 non. C'est pas grave. Tracy voulait partir avec quelque chose de moi. Et elle a choisi mon bijou. C'est ce qu'elle a dit. Et puis on a coulé des bétons. Tout le monde est rentré chez lui. Mais, peu de temps après, la scène est revenue à remémorer Madame Rosemine et elle en a parlé sur TikTok, sur son compte TikTok. Je vais vous relater ce qui s'est passé. Là, c'était juste après l'enterrement parce que Madame Tracy a été inhumée le 23 mars. Elle est décédée entre la nuit du 4 au 5 mars et elle a été inhumée le 23 mars. C'est au mois d'avril maintenant que Rosemine a parlé de cette histoire, de comment est-ce que sa broche s'est retrouvée dans la tombe de son amie, de sa mère amie. Et puis, elle a même promis que je vais vous mettre la vidéo, parce que j'avais pris la toute dernière image avant qu'on coule le béton et tout. Je vais vous mettre cette vidéo pour que vous voyez à quoi est-ce que ressemble l'histoire. C'est quand même inexplicable, mais je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça me traverse l'esprit et tout, donc c'est comme si elle s'est reprochée de quelque chose, non? C'est comme si elle s'est culpabilisée, ah, il fallait que je récupère mon bijou et tout. En fait, moi je sais pas trop. Suivez d'abord toute la vidéo et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Aujourd'hui le 4 mars 2024, ça va faire 2 ans que mon amie a été tuée, que Tracy a été tuée chez elle à la maison. Ça va faire 2 ans, ça fait 2 ans aujourd'hui que quelqu'un est entré chez elle, a mis sur tête son téléphone, ses 2 téléphones en mode avion et il a fait son travail. Pendant qu'elle était enceinte de presque 6 mois, elle avait hâte de devenir maman. Le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc, quand elle était tombée enceinte, pour elle, c'était vraiment une très, très bonne nouvelle. Elle avait hâte de devenir maman. Elle avait tout pour elle. Elle était directrice où elle travaillait. Elle avait hâte. C'était une belle personne. C'est pas comme on dit que quand les gens meurent, qu'on les traite des bonnes personnes. Non, Tracy, c'était une belle personne. Vraiment une belle personne, de l'extérieur et de l'intérieur. On l'a arrachée à nous. On l'a tuée enceinte. Et moi, je sais que la justice divine fera son travail. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas le dire ici. La justice divine fera son travail. Vous avez tué une femme qui avait toute la vie devant elle. Elle avait toute sa vie devant elle. Pour ce qu'elle avait, pour ce qu'elle possédait, pour ses moyens. C'est vraiment triste. Le monde est méchant. Vous n'avez même pas eu pitié de cet enfant qu'elle portait dans son ventre pour l'étouffer. L'étouffer avec l'oreiller et l'étrangler. Quelle
Quelle méchanceté, quelle... C'est atroce. Ça fait deux à trois nuits que j'arrive pas à dormir correctement parce que je pense fortement à elle. Je pense vraiment à elle. Elle me manque. Je pense qu'on ne sera, on va jamais se faire à son absence. C'est toujours, c'est dur. C'est vraiment dur. Parce qu'à savoir la personne qu'elle était, même quand tu ne pensais pas à elle, elle pensait à toi. C'est elle qui commençait le premier message. Elle, une personne qui était à l'écoute. Vraiment la personne que toute femme, tout homme aimerait avoir dans sa vie. Comme partenaire, comme copine, comme tout. Une vraie belle personne. Une belle âme, comme j'ai l'habitude de dire. Et on l'a tuée comme ça, enceinte. La cruauté humaine. Non, ça me dépasse. Mais la justice de Dieu, la justice divine fera son travail. À ça, j'en suis sûre. Merci. Bonjour. Premièrement, avant de répondre à ces commentaires, j'aimerais dire merci. Je remercie tout le monde ici sur TikTok, des inconnus qui ont pleuré avec moi. Mon ami, précis, je vous dis merci. Ça choque. J'imagine si vous êtes arrivé à avoir une forte douleur parce que ça vous a choqué de voir une belle dame à la fleur de l'âge partir comme ça. Voilà. Mon amie est partie, elle était enceinte, elle ne rêvait que d'une seule chose, devenir maman. Elle avait déjà un prénom pour sa fille, Malaika. À la veille de sa mort, elle était à l'hôpital, aux consultations prénatales. Tout s'est bien passé. Et le lendemain, quand le chauffeur vient la prendre au petit matin à 5 heures pour aller au boulot, il toque, elle ne répond pas, il appelle, le téléphone ne passe pas. Et il alerte, il appelle sa sœur qui arrive, on casse la porte et on la retrouve morte chez elle, couchée. Donc maintenant, si je dois d'abord répondre vite fait à ce commentaire aussi, parce que j'ai déjà commencé à répondre, mais je veux répondre par rapport au mot discret qu'elle a mentionné. C'est pas que nous sommes discrets, on parle là de la mort d'une personne. Et puis nous sommes dans un pays de loi. Retenez que c'était une sœur, une amie, une tante, une fille. Donc, on peut pas, je ne veux pas juste mettre une caméra pour répondre aux besoins des gens et dire des choses qui ne sont pas vraies ou que je ne pense réellement pas. Et puis, c'est un sujet qui choque encore, qui fait mal. On a fait l'autopsie, mais vous savez, il y a d'autres questions, d'autres détails. Sa sœur, elle est très mal. Elle est incroyablement mal. Et il faut souvent savoir aussi épargner à la famille d'autres questions qui gênent. Bien que je suis déjà une amie qui fait partie de la famille, mais ça gêne. Déjà moi-même, c'est pas facile que j'en parle. Donc si j'ai un moment, je ferai peut-être un live où j'aurai à répondre dans plus de questions. Mais j'aimerais juste dire, si la famille a eu une idée, a eu un soupçon meurtrier parce que le téléphone, la porte était fermée, de l'extérieur ou de l'intérieur, mais on a retrouvé la clé nulle part. Et elle, sachant son état, elle ne pouvait pas mettre ses deux téléphones sous mot d'avion. Les deux téléphones étaient sous mot d'avion et ça inquiète. Il y a plein de détails comme ça qui ont un peu mis la puce à l'oreille à la famille. Mais je ferai un live. Bisous, portez-vous bien. Merci. Bonsoir. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au cimetière. Le jour de l'enterrement. En fait, on avait déjà fini la cérémonie. Bon, vu que c'était moi qui filmais, bon, c'était pas que moi qui filmais, mais les vidéos que vous avez vues sur TikTok, c'est moi qui les filmais. Alors, on devait partir. Le gars avait déjà, vous voyez ces gars-là qui ferment la tombe. Il avait déjà les triplex auxquels il ferme la tombe avec. Il était déjà même en train de fermer la tombe. Moi, j'étais ténue
du côté gauche. J'étais penchée comme du côté gauche. La tombe était comme du côté droit. On n'a pas compris. J'ai pas compris. Si vous regardez sur la vidéo avant, j'ai une broche en argenté en forme de Chanel. Je mettrai la vidéo, vous allez voir. Vous allez bien voir dans la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. La broche a quitté du côté gauche où moi j'étais. Dans la tombe, à côté du cercueil. Le gars m'a demandé à l'instant, « Madame, vous voulez que je demande quelqu'un de descendre pour reprendre votre bijou ?» Sans réfléchir, j'ai répondu tellement spontanément. J'ai dit, « Non, 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 laissez. Tricia a voulu partir avec quelque chose de moi. Elle a voulu partir. » J'ai paniqué. J'étais en panique. On nous avait même interdit de mettre les pieds partout dans d'autres tombes. Mais j'étais en panique. Ses cousines et tout, ses soeurs, elles m'ont pris dans leurs bras. Prosmi, viens, c'est bon. Elles m'ont calmée. Jusqu'à ce que nous sommes sortis du cimetière, j'étais toujours un peu agitée. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça s'est passé ainsi. Parce que vu la position où j'étais, la forme où j'étais, du côté où j'étais, ça ne pouvait pas quitter du côté gauche pour aller du côté droit où était la tombe. Je vous raconte cette histoire pourquoi. Non seulement pour comprendre, parce que je n'ai pas compris, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Mais en 2015, on allait au sport, Tracy et moi. Elle avait une petite chaînette. Elle a enlevé la chaînette sur elle. Elle m'a dit, fais ça. Elle m'a fait porter sa chaînette. Elle m'a dit, je veux juste que tu l'aies. Il y a 7 ans aujourd'hui. Et malheureusement, on me l'a volée à Johannesburg il y a une année, cette chaînette. Je ne sais pas pourquoi. Mon amie me manque. Elle me manque. C'est surréaliste. On a bien des soupçons sur telle, qu'on porte sur telle ou telle personne. Mais après, personnellement, moi, je ne suis pas la loi. Je connais la loi. Mais je ne suis pas la loi. Si la loi n'a pas inculpé ou telle personne par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce que la famille a dit, parce que déjà quand on a retrouvé le corps, ça se voyait, il y avait les traces et tout ça, qui voyait que ce n'était pas un truc naturel. Et après, on nous avait pris le corps pour pouvoir faire l'autopsie. On a réalisé l'autopsie, la famille avait demandé l'autopsie. Après l'autopsie, plus rien. Silence radio. On nous a juste remis le corps pour pouvoir faire les obsèques. C'est bien qu'on a porté, oui, c'est clair qu'on a, on a eu des soupçons. On a eu des soupçons sur telle ou telle personne. Mais après, la loi devrait inculper. Et après, on allait voir. Vous comprenez un peu? Parce que je ne peux pas, moi je connais la loi, je ne peux pas venir citer tel ou tel nom ici, pendant que la loi ne l'a pas inculpé. Je préférerais, par rapport à ce qu'on va dire, parler devant la loi et que la loi inculpe telle ou telle personne, et après on pourra dire, voilà, si la loi a inculpé telle ou telle personne, c'est par rapport à ça, et on va parler et on essaiera de dénicher avec vous pour voir, est-ce que c'est ça, c'est réellement ça, non, c'est pas réellement ça, on va parler. Par rapport au père de l'enfant, moi personnellement, j'ai pas de relation. Maman, 2024, Gavker, to yelibino solution. Bon, abat problème, ya. Trompe, fibrome, myome, kiss, règle abondante. Gavker, to zalina solution. Yo, oyo, okota, menopause. Asana, 65 ans, na Gavker, oko simba, moana. Ebongo, oyo, etali, fertilité, masculine. Ma papa, to bossani binote. Faiblesse, sexuelle, éjaculation, récosse, insuffisance des spermes. Topé, agrandissement de pénis. Bossaya, moi, si, et qui m'a qui m'obali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit à solo teint uniforme na 5 jours ya bamba au teli talon denga bimi qui topo na fête tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah! Au Salina problème, y'a hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 10 jours, y'a pamba, au moni changement total.
Bon à maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, l'obico et zali, partie de poids, sans au côté salle de sport. Qui s'y a injection, pe comprimé, na gav ke, bicalibela, olingi okima, souki pe mande fouya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe e salemi, na ba plante, na ba industrie via Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro Oyo, plus 44-74-05-65-35-48. GavCare, solution et à santé na yo. Si je n'avais pas de relation avec lui, mais à ce que je parlais de lui avec Tracy, Tracy ne voulait plus de lui. Elle ne voulait plus de lui parce que pour elle, il avait trahi, il était parti doter une autre femme avec son véhicule. Elle me l'a dit à moi-même, ma puce, est-ce que tu peux t'imaginer? Après être chez moi, qu'on ait passé nos moments intimes, alors que ces jours-là, il savait très bien qu'il partait doter une femme ailleurs. C'est cruel. Je ne veux plus de lui. Si vous connaissez Tracy, Tracy, c'était une personne de cœur. C'est une personne très généreuse. Alors, si une personne était mal intentionnée, pouvait vraiment l'utiliser à sa guise. Donc, on ne sait pas. Il était avec peut-être Tracy pour le matériel, c'est ce qui s'est dit. C'était parce que elle-même personnellement, elle me l'a dit. Elle voulait plus de lui. Moi, en tant qu'amie, j'essaie de sonder. Je me suis dit peut-être qu'elle est encore amoureuse, mais que ok, elle est encore blessée, nanani. Elle m'a dit non, ma puce. Je me contente de mon enfant, c'est bon, basta. Mais après moi, je ne pourrais pas venir ici devant vous à l'écran pour accuser ce monsieur, pour dire non, c'est lui qui a tué Tracy. Si quelqu'un n'a pas, si la loi n'a pas encore inculpé quelqu'un, parce que hormis lui, à part lui, il y a eu plusieurs points qui ont été soulevés, plusieurs personnes qui ont été, d'autres personnes aussi. Donc il y a beaucoup plus de points à soulever. Et déjà, au deuil, sa tante avait dit, à l'enterrement, si vous avez suivi d'autres vidéos, elle a dit, ma puce, poursuis la personne qui t'a fait ça, venge-toi, nanani, nanana et tout. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'élève pour faire plus de justice que ça, moi, je ne peux que avoir mal en tant qu'une amie pour l'amie, la copine qu'elle était pour moi, j'ai dénoncé tout pour que peut-être quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice un jour ici puisse pouvoir soulever ce dossier pour dire c'est quoi. Ça, c'est un peu de tout ça. Ceux qui disent les suicides, Tracy n'était pas suicidaire, elle avait hâte de devenir maman. Ceux qui disent peut-être c'est une crise, oui ça peut arriver, ça pouvait, mais ce n'était pas ça. Vu les traces physiques qui étaient là. Parce que ce jour-là, elle a donné le dernier signe de vie vers 23h comme ça. C'était ça. Avant que le chauffeur ne vienne toquer chez elle à 5h du matin pour pouvoir aller au boulot, il toque fatigué, personne ne répondait. Il a alerté sa sœur, on est venu, on a cassé la porte. La porte bloquée, pas de clé de l'intérieur ni de l'extérieur. Il y a plusieurs points à soulever, mais que ça devrait être à la loi. Et vous savez aussi, chaque famille a sa façon à elle de faire le deuil. Peut-être la famille a accepté et se disent, on attendra la justice divine. Mais moi, en tant qu'ami, c'est dur aussi pour moi. Donc, ce qui fait que à ses anniversaires, un truc comme ça, je soulève, j'en parle. C'est ça. Il y a beaucoup de points, énormément de points à soulever. Et dans vos commentaires ici, je vois qu'il y a plusieurs qui sont réellement très sages, qui comprennent, qui disent, qui commentent à des sons dans le même sens que nos pensées. Mais après, je connais la loi, je ne suis pas la loi. Je pleure mon ami, c'est mal, vous dites toujours qu'un jour, on espère, parce qu'en Europe et tout, on voit, il y a des choses qui se passent où après 20 ans, après 15 ans, après 10 ans, il y a des gens qui arrivent à avoir justice. Ah, c'est dur, hein? C'est incroyablement dur. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas parfois. Comment la douleur de Tracy
Le départ de Tracy nous fait incroyablement mal. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Vous aurez connu Tracy. Une personne en or. Ouais, on sait très bien que la mort, personne n'échappera en fait. Mais seulement, vous aurez connu Tracy. Vous allez vous demander, elle est de quelle espèce? Une personne tellement en or. Une belle personne qui n'a que de bonnes intentions. C'est... et qui avait toute la vie devant elle. Elle voulait tellement explorer le monde. Elle voulait tellement devenir encore une très grande dame qu'elle était déjà. Fallait l'écouter. Fallait l'écouter parler de sa vie, de l'avenir qu'elle voulait. C'était juste magnifique. Et la douleur de voir que tout ça ne s'est pas réalisé, comme on dit, en toutes circonstances. Rendons gloire, grâce au Seigneur. Mais nous restons humains, donc la douleur, elle est là. Et surtout quand vous réalisez encore, c'était dans quelles circonstances qu'elle est partie. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Et pour des gens qui ont mal par rapport à la mort de Tracy, mais qui n'ont pas connu Tracy, je vous jure que vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Parce que si vous l'aurez encore connu, ah là là, je vous épargne parfois le cauchemar en fait. Moi parfois dans mon téléphone, il y a des parties où quand je zappe mon téléphone, où je sais que c'est la partie où j'ai trop ces téléphones, je défile très vite. Soit je sors du téléphone. C'est incroyablement dur. Incroyablement dur. Moi, j'ai mis longtemps à les réaliser, en fait. J'ai vraiment mis longtemps à les réaliser que non, ceci n'est plus. Même quand j'ai mis... quand j'ai fait une truc... pardon, à son enterrement, où ma broche était entrée, j'ai dit que... Je voyais que c'était un signe. Les gens l'ont pris, ont dit des trucs et tout. Hey, tu vas aussi mourir et tu vas aussi nananine. Bref, des trucs, j'ai regardé, j'ai dit, mais regarde-moi ces gens. Regarde-moi ces gens. Moi, je voyais juste vraiment le lien qu'on avait. Et j'ai... Parce que j'ai une amie béninoise, donc elle me dit souvent ce qui se passe par rapport à des gestes, par rapport à des ceci, par rapport à des cela. Et donc, je me suis dit, ah, ça peut être ça. Peut-être que Tracy, mais... Bref, c'était juste dans ce sens-là, en fait. Parce que du côté où j'étais, du côté où je m'étais tenue, ma broche ne pouvait pas se retrouver dans sa tombe. Mais c'était le cas, alors... bref, chaque personne sait, en fait. Moi, j'ai du mal, parfois, je ne sais pas interpréter des choses, de ceci ou de cela, parce que pour moi, j'ai mis mes genoux, j'ai pris et c'est tout. Et des choses qui arrivent, je ne sais pas comment les interpréter. En tout cas, à Dieu soit la gloire. Que la justice divine fasse son travail. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin oculaire. Oui, en vrai, il n'y a pas de rapport entre ce qui s'est passé à l'enterrement de Madame Tracy et Alexandra, en vrai. Mais puisque la personne qui les unit ou qui les unissait, c'était Rosemont. Et dans ces vidéos, elle parle de la broche en termes de bijoux. Et elle a dit ceci, que Tracy voulait partir avec quelque chose de moi. Sachant que les morts sont morts,
Même à ta boulette, tu sais que Babijora, elle n'allait pas s'en servir. Mais si nous voulons nous appuyer sur le propos des Rosemine, Tracy voulait partir avec quelque chose de moi. Si elle voulait réellement partir avec quelque chose de toi, alors c'est terrible. Un humain, un être, une personne qui la tiendra compagnie de l'autre côté, de l'autre bout du monde. Sincèrement, je pense que nous devons faire très attention. Voilà pourquoi je toujours dis, et je ne cesse de les répéter, qu'il faut être fort ou forte, même dans notre subconscience, que personne ne nous fasse dire oui sans notre consentement, qu'on ne nous fasse pas signer une lettre non lue, non, un document mal compris, non, parce que Rosemine n'avait pas compris la scène. Sa broche, qui quitte sa veste et se retrouve mystérieusement parce que ce n'était pas possible, il n'y avait pas lieu que sa broche tombe ou se retrouve dans la tombe des Tracy. Mais malheureusement, la broche était là. Sans sa volonté, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais sans réfléchir, elle dit non, 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 non. Laissez-la. Non. Non. Tu as enterré ton bijou. Tu as laissé ton bijou partir avec ton ami. Et voilà que 2 ans après, tu perds ta fille. Avant, pour les décès de Tracy, ils ont parlé du meurtre et tout, mais c'est une histoire aussi compliquée. Parce que d'après la famille, Tracy avait des traces et tout. C'est quand même compliqué. Moi, je ne suis pas Dieu, mais il ne faut nécessairement pas être Dieu pour comprendre certains faits aussi, non. Je me souviens quand mourait notre grand-mère, la maman de mon père, notre défunte Baba. Et lors de l'élevé du corps de la mort de Ngalima, ses lèvres a été sèches. Il fallait vaseline, hein, quelque chose pour adoucir ses lèvres en fait. Seul moi j'avais avec moi ma rouge à lèvres. Je pris cette rouge à lèvres, j'ai remis au mordier. Ils ont appliqué sur les lèvres de ma grand-mère. Et puis, je leur ai demandé ça en retour. Ils m'ont dit, non, non, non. Puisqu'on a appliqué ta rouge en lèvres sur les cadavres de ta grand-mère, tu ne peux plus l'utiliser. Et le mordier a pris ma rouge à lèvres et a mis ça dans sa poche. On m'a dit, oh, c'est pas grave. Même si je vais plus l'utiliser, mais je vais quand même en avoir. Et il y avait des témoins. Je repris ma rouge à lèvres, je replaçais dans la trousse. Et après, d'abord, parce que même grande sœur, on a fait, ah, bah, si la sœur, elle est bien, 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 elle est. Je n'ai pas voulu laisser ma rouge à lèvres au mordier. J'ai récupéré ma rouge à lèvres que j'ai replacée dans ma trousse. Il y a au moins une subconscience, on a dit que j'ai fait ça à rapatrier. C'est très important. Il n'y a pas de rapport entre le mort et le vivant, non. Nous étions amis, mais une fois que la personne décède, elle devient sans aucun souvenir. À tout bêtis, à tout salé, aux marginalisés, elle ne va rien reconnaître. D'où, Rosemine avait l'intérêt d'en récupérer bijou naï, broche naï, mais un petit cas qui m'a mis en acquis et 2 ans après, bah tout,
moi année pas confie bah tout bah comme il parce que même l'année passée en 2023 elle n'avait pas reparlé de l'histoire de son ami mais seulement en 2024 elle a reparlé de son ami et la dernière fois qu'elle a elle a posté reposté son ami le 4 mars le jour de son décès 2022 et elle a essayé de rebondir sur l'histoire en question. Elle a essayé de relater ce qui s'est passé. Et on a aussi des soupçons, mais on n'aime pas seulement indexer les gens et tout pour le prouver, bon, fait. Parce que quand j'en parle, je fais aussi mal à sa famille. C'est ce qu'elle a dit. Et puis, la dernière fois qu'elle a parlé de l'histoire des Tracy, c'était le 11 avril 2022. Et elle est passée à autre chose. Et après, elle a posté aussi maman qui lance tout nazi, voilà. Et aujourd'hui, elle est condamnée pour l'acte. Oui, les gens qui disent ça peuvent aussi avoir raison. Mais nous devons avoir la capacité de dominer notre subconscient. La subconscient, c'est l'inconscience au fait. Tu fais faire quelque chose sans son accord, sans son avis. Et la subconscience intervient beaucoup plus pendant la nuit, pendant les sommeils. Tu fais un rêve. Ah, donne-moi ton argent, tu donnes, même à un inconnu. Non. À ton réveil, dès que tu reprends conscience du songe, mets-toi directement à prier et à briser les liens. Ne permets même pas à ta subconscience d'être faible, même dans tes songes, même dans le rêve, même dans l'inconscience, même dans l'ignorance, ne permet pas à ta subconscience d'être faible, parce que le subconscient, c'est le centre de tout, en fait. Batebele, bakababa, dit, n'a pas moins la subconscience. Bakababa, n'a pas moins. C'est ça, la subconscient. C'est ça. L'inconscient, c'est le mot où il y a une idée. On fait inconscient. Mais où ça m'a ramené inconscient? Mais subconscient, tu dis oui. Tant on oublie la oui, la subconscient, c'est ça, le mot. C'est que Rosemine a regretté le fait qu'elle n'avait même pas réfléchi. Elle a dit non, je pense que Tracy voulait partir avec quelque chose de moi. Elle a choisi de partir avec une bijou. Et aujourd'hui, elle s'est fait infecter. Pourquoi? Parce que son bijou, en vraie vie, c'est sa fille qui part 2 ans après son mari. Et puis, les gens disent que non, leur départ se ressemble, leur départ ont des traits similaires. Donc, il y a plein de trucs qui se disent dessus. Mais je ne peux pas non plus interdire aux gens de mettre leur opinion parce que chacun est libre dans son coin. Mais moi, je voulais juste vous présenter les bijoux en question, la broche en question et la position dont la broche est tombée dans la tombe. Elle a même repoussé où elle s'est opposée à la demande du fossoyeur. Voilà. Donc, ça devient compliqué, vraiment compliqué. Quand on va, je vais reparler sur les testaments de, je vais reparler du testament d'Alexandre. Parce que c'est un testament qui englobe beaucoup de réalités. Bolandara avait reçu une maman qui a perdu son fils unique de 18 ans. Et son histoire ressemble à l'histoire d'Alexandre. Je vais faire des sortes, Nazo Misa Odio et Maman Anna, pour Bomeka, un peu pour comprendre de quoi je vais parler. Parce que l'exotérisme existe. Et là, on va te demander de parler que de Dieu pour distraire le public, pour tromper la vigilance.
Nous nous sommes convenus avec notre maman de la Belgique. C'est elle qui est venue vers moi. Elle a voulu sauver d'autres enfants du monde. Et après, qu'est-ce qu'on n'a pas découvert? Le jour où j'ai fait une mission où j'ai dit, j'ai fait une émission dans laquelle j'ai lisé ce que la famille a découvert après le départ des mères dans l'ordinateur du dauphin. C'est le jour où tout a basculé entre la maman et moi, où je n'ai pas supporté la manière dont tu as présenté l'émission, dont tu as présenté mon fils. Mais nous nous sommes convenus au départ de les faire. Parce qu'il y avait... Et tout de suite après, vous avez dit que l'émission a été retirée de mes réseaux. Ce sont des vérités qui sont dures à supporter. Mais que voulez-vous? Les enfants, on ne les contrôle pas. Au moment où vous pensez contrôler votre enfant, l'enfant fait pire que ce que vous envisagez. On t'envoie même un esprit, physiquement comme ça, qui vient te chercher. Si vous n'avez pas encore compris que le départ d'Alexandra est mystérieux, peut-être qu'on va chercher la personne qu'on est en train de chercher selon les enquêtes. Et on ne trouvera personne. Je dis bien peut-être. Pourquoi parce que ces départs sous-entend beaucoup, beaucoup de choses cachées. Allez revoir mes émissions faites sur Roblox et vous comprendrez assez. Il y a une maman en Suisse qui a perdu sa fille. Une très belle fille. Mais qui, quand elle s'est mirée, se voyait comme un monstre. Comme une zombie. Les esprits ont tellement développé les mal-être en elle qu'elle a perdu toute confiance en elle. Et au finish, on lui a envoyé des esprits qui lui ont poussé à la conduite. Bon, mon et moi, je suis à Mibwakaki, du haut du 12e étage. Du 12e étage, message. Je ne sais plus trop, je vais vérifier. Et puis, il te laisse une lettre. Bakenara batika la lettre. Peut-être que ce bako vérifie la chambre. Il y a Alexandra beaucoup ta lettre. Donc, au moment où vous pensez que vous avez le contrôle total de votre, sur votre enfant, nous pensons connaître nos enfants, mais en réalité, prière. Et à part la prière, il n'y a rien d'autre. Parce que nous sommes bien capables de co-orienter vers la droiture. Surtout, aujourd'hui, ça craint fort. Donc voilà mon émission. Je voulais juste vous présenter la broche en question, le bijou, qui aurait été un sacrifice d'après plusieurs internautes. Et le vin tiré, il faut le voir. Que Dieu apaise le cœur meurtri. Sinon, non. Longévité et bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.